En 2014, demi-finale de Coupe du Monde, le Brésil est humilié à domicile par l'Allemagne 7-1. 10 ans plus tard, nous sommes au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la Côte d'Ivoire est humiliée, il n'y a pas d'autre mot, par la Guinée équatoriale, 4-0. Nous ne parlons que de foot, mais c'est bel et bien un choc dans le monde du foot qui s'est réalisé, que vous avez pu vivre sur Canal Plus Cannes ce soir. Toujours en compagnie de Guy Demel, de Mamadou Niang et de Philippe Doucet. Ce groupe A incroyable avec ce classement, avec les derniers résultats, puisque le Nigeria s'est imposé également dans sa rencontre face à la Guinée-Bissau. La Guinée équatoriale termine leader de ce groupe avec 7 points devant le Nigeria, 7 points. La Côte d'Ivoire 3e avec 3 points et une différence de but de moins 3. La Guinée-Bissau dernière. Rappelons aussi, et c'est très important avant de vous donner la parole, messieurs, Guy Demel, on passe la main. On a évoqué choc, humiliation, on pourrait utiliser tellement de termes pour évoquer ce 4-0 pour la Guinée équatoriale. Alors c'est malheureux et peut-être qu'on va encore me taxer d'être un peu trop dur, mais on voyait malheureusement arriver un peu ce scénario. Alors lors de la première période, on avait un bon espoir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même bien entamé la rencontre sans pouvoir marquer. Mais encore une fois, lorsque vous avez moins de certitudes, vous arrivez sur votre match 3 face à une équipe qui se bonifie de canne en canne, qui s'est bonifié aussi tout au long de cette canne, qui a marqué 4 buts le dernier match, qui vient vous en mettre 4. Oui. On voit que c'est important d'avoir des certitudes et d'avoir des repères quand même dans le jeu. Voilà, aujourd'hui on fait le bilan, comme vous avez dit, rien n'est fini, mais effectivement c'est très dur pour les Ivoiriens, pour le football ivoirien, pour le peuple ivoirien. Alors, on va tirer le bilan petit à petit, Mamadou, mais c'est vrai qu'encore une fois, en sortant de ce match, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Ouais, c'est une catastrophe, hein, moi je dis, c'est vrai que... À la mi-temps, on pouvait avoir un motif d'espoir parce qu'on a vu qu'ils ont quand même essayé d'attaquer après avoir pris ce premier but. Ils en ont marqué un deuxième qui a ensuite aussi été annulé en seconde période. Mais après, on a l'impression qu'ils sont tous écroulés. Ils sont tous écroulés, même quand ils prennent le deuxième but. Il faut la remise en jeu. Ils offrent carrément le troisième but à la Guinée équatoriale. Il n'y a vraiment plus rien qui marchait. C'était désorganisé. Il y avait de l'envie, mais ce n'était pas organisé. C'est vrai, la désorganisation complète, encore plus en seconde période peut-être, Philippe. Oui, mais il faut parler d'une faillite émotionnelle. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a tout d'un coup dérivé complètement. Le deuxième but, c'est un vrai tournant, parce que jusqu'à la 70e, honnêtement, on se dit ils ont des tas de possibilités. Ouais. Ils vont peut-être pouvoir égaliser, mettre un quatrième point qui au moins permettra d'être à peu près sûr de passer en tant que troisième. Et après, il y a une faillite émotionnelle incroyable. C'est un peu le doute qu'on avait sur cette équipe de Côte d'Ivoire. Elle est très jeune. La Côte d'Ivoire a jamais été... Ça n'a jamais été le Cameroun, hein, en termes... Sans me méprendre, je veux pas... Ça n'a jamais été des monstres au niveau mental, etc. Ça n'a jamais été une équipe qui s'est fait remarquer par cet aspect-là. Et là, les doutes qu'on avait, ils ont été plus que confirmés. C'est incroyable de se saborder à ce point-là. 0-2, voilà, c'est la malchance fait que vous vous retrouvez à 0-2, mais après, c'est une vraie faillite émotionnelle. Surtout qu'on insiste, c'est vraiment important pour cette course à la troisième place, la différence de but, évidemment. Cédric Kanté, on vous retrouve, vous qui étiez au commentaire de cette partie avec Lilian Gatoun. Cédric, on évoquait avant la rencontre le mot pression. Cette pression, elle a totalement immobilisé, encore plus peut-être en seconde période, donc, les hommes de Jean-Louis Gasset. Ouais, l'émotion sous pression, c'est là aussi où on voit la maturité. Alors là, c'est une chose, mais parfois, quand vous avez quelques cadres à l'intérieur de l'équipe, ils vous permettent de tenir. Et c'est vrai, Philippe en a parlé, c'est quand même incroyable qu'à 1-0, à 2-0, il n'y ait personne qui était capable de leur dire « Gardons cet équilibre, on peut passer par la petite porte, mais ce goal à virage, il est important. » On a l'impression qu'il n'y avait plus de capitaine dans le bateau. Ils ont tout donné pendant 70 minutes et puis ce deuxième but vient un petit peu les tuer mentalement. Mais c'est vrai qu'une CAN, ça se construit. C'est une équipe nationale, il faut avoir un peu de réflexion. Mais ils avaient raté tellement de choses. Ils tombaient de tellement haut avec ce match qu'ils n'ont pas su garder les pieds sur terre. On va revoir les images de cette partie, les principales images, j'entends par là, les buts, évidemment, 4 buts, les 4 marqués par la Guinée équatoriale qui sortait déjà d'une rencontre victorieuse face à la Guinée-Bissau avec 4 buts, là aussi qui avaient été marqués. Et Guy, on n'insistera jamais à ça. Alors certes, il y a 4 buts encaissés, mais c'est que la défense aussi est passée à côté quand même aujourd'hui. Ouais, mais quand vous parlez de défense, regardez d'où part l'action. Absolument, vous avez raison. C'est l'animation défensive, le même défensif. Bien sûr. Bon, là, c'est quoi, peut-être que son placement, il est déjà dans l'anticipation de la passe en retrait. Il doit peut-être
être un peu plus bas pour pouvoir défendre en avançant, mais il n'est pas le seul impliqué, hein. Bien évidemment, il y a énormément de laxisme sur cette action. Après, forcément, il est rentré dans la surface, le joueur est caissier, essaye de contrôler, il y a le centre, et c'est un Conan qui se fait devancer par Emilio Nsue, donc voilà. Et puis, c'est vrai que ce deuxième but, qui est en plus exceptionnel, Mamadou, c'est vrai qu'il casse et il coupe les jambes ivoiriennes. Ouais, très beau coup franc, très bien coup franc, bien travaillé, enroulé dans la lucarne, le gardien ne peut pratiquement rien faire. Mur bien désorganisé, ouais, aussi, au passage. Bien désorganisé, mais bon, il passe un peu au-dessus du mur. Mais c'est l'action d'avant. Ils se sont fait contre-attaquer, ils obtiennent un coup franc sur une main de Boli. Mais ça ne me dérange pas ce deuxième but, c'est plus ce troisième qui dérange, parce qu'ils ont l'engagement. Oui. Ils ont l'engagement, ils balancent, et derrière, il n'y a plus personne en défense. Et j'ai pas compris en fait. Sur le dernier but, hein, si vous me permettez, on voit que Willy Boli est quand même quasiment 10 mètres derrière la défense. Alors il y a aussi. Zgui, avant de parler du quatrième, c'est vrai qu'on voit cette séquence du troisième but. C'est vrai que tout le monde va de l'avant, quoi. Oui, parce qu'il rentre le ballon rapidement. La cour d'école. Voilà, et là vous voyez que il est tout seul, Willy Boli. Alors il doit sûrement avancer. Il y a Wilfried Tsengo aussi qui va. Ils font une prise à deux. Ils se font passer par la passe. Ça fait un 2 contre 1 qui est bien joué encore une fois. Et Emilio Nsue à la finition. Juste, messieurs, encore une fois, toujours dans ce calcul, la troisième place à 3-0. Déjà, bon, c'est un score risible. Est-ce qu'on se dit pas, bon, les gars, on ferme là, on verrouille et on perd 3-0 au lieu d'essayer de mettre le but du 3-1. C'est facile de dire ça après, hein, j'entends. Oui, et puis psychologiquement, c'est non. Psychologiquement, les joueurs, ils se disent, bon, on sait jamais, on va essayer, on doit revenir, notre honneur. Vous imaginez s'ils commencent à faire une passe à 10 à 0-3, public, mais ça aurait été un désastre émotionnel pour le public, là, pour le coup. Mais c'est à 2-0, j'ai entendu parler de pression, de pression émotionnelle, etc. Mamad, il a joué aussi. Quand je parle de repères, lorsque les joueurs perdent un peu l'essence, perdent un peu, on va dire, n'arrivent pas à maîtriser la pression, l'émotion, on se raccroche à quoi? On se raccroche à ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est quoi? C'est les repères dans le jeu. Et malheureusement, ça a manqué. Tiens, on va retrouver Cédric Canté, une nouvelle fois, qui était au commentaire de cette partie. Cédric, Guy a évoqué ce terme, le mot repère. C'est vrai que des repères, on pensait en avoir lors du premier match face à la Guinée-Bissau, mais on se posait déjà des questions. Face au Niger, il y en avait beaucoup moins. Et aujourd'hui, non plus, pas de certitude, trop peu de certitude en tout cas. Ouais, trop peu de certitude. Tout leur a échappé, que ce soit sportivement, émotionnellement. Mais c'est devenu rationnel. C'est vrai que quand vous jouez une finale comme ça devant votre public et que vous voyez le scénario avec ce second but, derrière, malheureusement, il n'y a plus rien. Guy parlait de repères, mais s'ils avaient tant de repères que ça, on ne se serait pas retrouvé dans une situation où ils perdent 2-0, c'est un nouveau système. Ils ont eu des opportunités, j'aimerais bien insister là-dessus, parce qu'il y a quand même eu des choses positives dans cette soirée cauchemardesque, mais je trouve que les leaders n'ont pas joué leur rôle, ou alors l'un après l'autre. Et pour moi, c'est eux un petit peu qui ont failli. Parce qu'à 2-0, je ne leur demande pas de faire une passe à 10 et de ne plus y aller. Je leur demande de continuer à jouer, tout simplement. Comme ils l'ont fait pendant 70 minutes, il y avait de l'équilibre. Et ça ne les empêchait pas d'avoir des opportunités, donc il fallait continuer à jouer au football. Tout simplement, ce qu'ils ont fait, même si c'était pour l'instant sans grand succès, mais là, ils ont tout arrêté et c'est vraiment une mauvaise image qu'ils donnent. Donc moi, je suis très déçu pour eux parce que je n'ai pas envie de leur taper dessus. Alors Guy, il ne les voit rien, peut-être qu'il a plus de droits. Moi, je préfère être triste parce que des situations comme ça où à domicile, on passe à côté, j'en ai connu sur des qualifs, sur des Coupes d'Afrique. Donc voilà, c'est un jour triste. Et paradoxalement, c'est pas encore fini, on va faire des calculs d'apothicaire. Mais c'est vrai que ce 4-0, il va rester dans toutes les mémoires. Peut-être comme le 7-1 au Brésil, comme l'a évoqué Salim. Guy, vous vouliez rebondir sur les propos de Cédric? Oui, bien sûr. La tristesse, bien sûr qu'elle est là. Et moi, je pense que les joueurs, ils sont sur le terrain, ils ont des responsabilités aussi. Je pense qu'ils ont tout donné. Mais encore une fois, quand il n'y a pas d'idée de jeu, quand le logiciel n'est pas là, c'est compliqué. J'entends des choses, mais j'entends pas à un moment donné que les instructions peuvent venir aussi du banc. Aussi revenir du banc. À un moment donné, à 2-0, peut-être de leur dire, voilà, j'attends, oui, les joueurs doivent se responsabiliser. Et le staff, et le banc, et l'implication de Jean-Luc Gasset dans tout ça. Donc, c'est pas pour tirer, parce que la compétition peut continuer encore. Ouais. Mais il va falloir rapidement se remobiliser, se poser les bonnes questions, travailler. Si nous avons la chance, et je l'espère, de pouvoir passer rapidement, travailler dans ce sens-là. Mais la responsabilité, bien sûr, les joueurs y l'ont, mais elle est aussi au-dessus. Juste, par exemple, quand vous évoquez le cas de Jean-Louis Gasset, il avait fait un choix, notamment en mettant le Nicolas Pépé titulaire dans cette partie, lui qui n'était pas sur les dernières rencontres. Nicolas Pépé, on s'est dit, il essaye de faire des choses sur le côté en première période, il essaie de passer.
il y avait quelque chose, offensivement parlant, qui était intéressant, mais au final, ça n'a pas fonctionné. Non, il a très bien bougé, Nicolas Pépé, en première mi-temps. Moi, j'ai trouvé assez bon, assez remuant. Ah, il a tenté des choses. Pour moi, il n'a pas été mauvais. Et puis, non, je pense que c'est un tout. Je pense que Philippe a employé le bon terme. C'est une faillite émotionnelle, mais incroyable. Parce que même quand ils prennent le deuxième but, je regardais dans le visage des joueurs, j'ai l'impression que le ciel leur était tombé sur la tête. Juste, on est en train de vraiment se focaliser juste sur Nicolas Pépé. Encore une fois, j'insiste, parce qu'on évoque ces choix de Jean-Louis Gasset. Ouais, ouais. Nicolas Pépé, c'était plutôt positif pour le coup, Philippe. C'était un vrai défi de le prendre déjà, parce qu'il sortait de blessure. C'était une vraie remise en forme. Mmh. Il est venu lentement. Sur ce troisième match, j'imagine que dans sa tête, Jean-Louis Gasset se dit, bon, malgré tout, faut quand même, j'ai pêché offensivement. Tiens, Pépé, c'est le moment peut-être de tenter un coup, etc. Là, il fait une superbe action. Je sais pas pourquoi il tire pas. Vous vous dites, il faut qu'il plonge. Il peut aussi tirer. Non, pas qu'il plonge, mais qu'il obtienne le pénalty. Il peut aussi tirer avec un peu plus de spontanéité. Il perd la fréquence de course. En fait, il a pris la fréquence qu'on peut voir par rapport au contact. Et il est un peu déséquilibré. Le ballon est un peu trop proche de ses jambes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il tente le dribble. Ouais. Donc c'est soit au tombe, soit. Non, mais c'est un moment clé. C'est à 0-0 ce moment-là. C'est une occasion énorme. Ça change le match. Je précise qu'on attend les réactions des joueurs ivoiriens au micro de Vincent Aduro et de Lilian Gatoun. Sauf que pour l'instant, ils ne sont pas sortis du vestiaire. Forcément, on peut comprendre la tristesse, peut-être les discours de Jean-Louis Gasset. Pour relier un peu tout, faillite émotionnelle, je disais. Ouais. Brésil, tu disais, Salim. Le Brésil a vécu exactement la même chose. Si vous vous rappelez, ils prennent un but sur un engagement également. Absolument. Ils sont complètement paumés à 3, je pense que c'est le 3e ou le 4e, je ne sais plus. Ils font l'engagement, les mecs sont désemparés, ils sont n'importe où, ils couvrent le hors-jeu de 5 mètres, ils prennent un but dans la foulée. C'est invraisemblable. En marchant, Kroos, il pousse le ballon en marchant. Et on en se plus, dit, mais que se passe-t-il c'est de ce niveau-là. Quoi. De la malchance, de la désorganisation. Et oui, de la malchance. Quand vous avez des buts qui sont hors-jeu pour rien aussi, qui sont refusés, on se dit que tout va dans le sens contraire pour vous aujourd'hui. Non, justement. Il y a un jeu, mais justement, c'était la preuve qu'ils pouvaient se créer ces opportunités-là. Donc, ils auraient dû rester, essayer de rester organisés, garder un bon équilibre. Et continuer à attaquer comme ils le faisaient très bien. Ils ont pris un deuxième but. C'est pas grave. Mais il aurait dû avoir un leader, un homme pour leur dire, les gars, calme, on a pris un deuxième but. Ouais. Mais on est sur la bonne voie. Continuer à jouer comme on le fait. Et peut-être que ça va venir. On voit ce deuxième but de Crasso. On y a cru, ce but du égalisateur. Ouais. Là, encore une fois, en plus, il venait tout juste d'entrer en jeu. C'était symboliquement très fort pour lui, en plus. Que ce fut dur pour la Côte d'Ivoire, les gars. Que ce fut très dur pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'est fait ébouiller. 4-0 contre la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, les amis. La Guinée équatoriale met KO la Côte d'Ivoire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce match entre Côte d'Ivoire et Guinée équatoriale. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes faire du contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, la Côte d'Ivoire s'est fait rincer, s'est fait laminer par une équipe de Guinée équatoriale vaillante. Avant le match, la Côte d'Ivoire avait besoin d'un seul petit match nul pour officialiser sa qualification à 8e finale. Sauf que les choses ont mal démarré. 42e minute, la Guinée équatoriale ouvre la marque. Et là, quand la Guinée ouvre la marque, tout le stade, tous les fans de Côte d'Ivoire sont KO. Parce que ce but leur fait vraiment du mal. Ça leur fait vraiment du mal. Même le coach, même Jean-Luc Gasset met les mains sur la tête. Il sait que ce n'est pas évident, c'est inacceptable même à la limite. Tu es le pire organisateur, tu dois gagner, tu dois prendre le match nul au minimum. Et tu t'es très mal. C'est pas évident ça. C'est pas normal même. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. La Guinée équatoriale, en deuxième mi-temps, ils enfoncent le clou par un coup franc magnifique. Coup franc magnifique. Autant le premier et le deuxième but, on peut dire, voilà, c'est un peu la faute à pas de chance. Autant le troisième et le quatrième but, c'est complètement le fondement mental. La Côte d'Ivoire mentalement s'est effondrée sur le troisième et le quatrième but. Parce que lorsque tu vois avec une telle facilité comment la Guinée équatoriale perd fort la défense de la Côte d'Ivoire sur le troisième but, on se demande, c'est pas possible. On se pose la question, c'est pas possible. Comment cette équipe de Côte d'Ivoire peut se faire perforer ainsi? On se pose la question, les amis.
On se pose vraiment la question. Donc, cette Côte d'Ivoire, les amis, le goût des virages est très mauvais. C'est très mauvais, c'est moins 3. Ce n'est pas bon pour les meilleurs troisièmes. Après, ils peuvent toujours se qualifier. Moi, je pense même qu'ils vont se qualifier pour les meilleurs troisièmes, mais le goût des virages n'est pas bon. Ce n'est pas bon et tout. Comment tu peux prendre 4-0 à domicile? 4-0, les amis. Tu prends 4-0. C'est inacceptable, ça. C'est inacceptable. Autant, moi, je suis dur avec mon pays, le Cameroun. Je suis très dur avec mon pays, le Cameroun. Mais si le Cameroun prend une telle débâcle, je serai encore plus dur. Ça, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation, les amis. Tu prends 4-0. C'est l'humiliation. C'est inacceptable. Même si la Côte d'Ivoire passe pour le second tour, ils doivent rapidement corriger ce problème. Ils doivent rapidement corriger ce problème. C'est inacceptable, les amis. Inacceptable. C'est inadmissible que tu joues à domicile, tu joues devant ton public et tu te fais souiller, tu te fais humilier. Pour moi, ça ne passe pas. Si la Côte d'Ivoire passe, ils doivent sérieusement se remettre en question. Sérieusement. Ils se sont effondrés. Ils sont vraiment effondrés. Donc, cette Côte d'Ivoire-là, moi, j'espère qu'ils vont passer, les gars, parce que voir un huitième de finale sans le pays organisateur, encore plus la Côte d'Ivoire, en grande nation de foot, avec les joueurs qu'ils ont, les stars qu'ils ont et tout, pour moi, ça sera une anomalie. Donc, j'espère qu'ils vont passer. Moi, je pense qu'ils vont passer. Je pense vraiment qu'ils vont passer. Parce que le groupe de la Tunisie-là, il y a un courageux là-bas. Il y a un courageux pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils vont dépasser le meilleur troisième de la Tunisie, le groupe de la Tunisie. Là. Il y a un courageux là-bas. Donc, moi, je vois la Côte d'Ivoire passer. Après, comme je l'ai dit, si la Côte d'Ivoire passe, ils doivent sérieusement se remettre en question parce que ce n'est pas possible. Tu prends 4-0, tu te fais laminer, tu te fais rincer par une équipe de Guinée équatoriale. Ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal, ça. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire va se qualifier? Donne-moi ton avis. Si c'est, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.